Si chaque maison dispose d'une odeur singulière et agréable, il arrive parfois que des mauvaises odeurs entachent l'atmosphère. Un inconvénient d'autant plus pénible qu'il n'est pas toujours facile d'en connaître la provenance. Voici ce que vous pouvez faire quand votre espace de vie sent mauvais. 6 manières de se débarrasser des mauvaises odeurs de votre maison. Oubliez les produits chimiques et nocifs pour la santé car pour éliminer et désodoriser votre maison, il existe des moyens bien plus simples, naturels et moins coûteux. Bien sûr, il convient de repérer la source de l'émanation avant de tenter les conseils suivants. 1. Le frigo. Si vous avez senti une odeur tenace à l'ouverture de la porte du réfrigérateur, qu'à cela ne tienne, la solution est bien simple. Commencez par verser une petite dose de lait dans une tasse puis placez-la au fond de l'appareil. Cela absorbe naturellement les odeurs tenaces. D'ailleurs, vous y parviendrez mieux en changeant régulièrement le lait. Pour le même effet absorbant, vous pouvez remplacer le lait par le vinaigre blanc, le bicarbonate de soude ou le charbon actif. Ce dernier ingrédient figure d'ailleurs parmi les plus utilisés pour désodoriser les poubelles. 2. La cuisine. Pour une cuisine complètement désodorisée, munissez-vous d'un spray vaporisateur dans lequel vous verserez du vinaigre blanc dilué dans de l'eau. Vous pouvez y ajouter quelques gouttes d'huile essentielle de citron ou de lavande pour parfumer l'air ambiant. Si des odeurs se répandent dans la maison après que vous ayez cuisiné vos plats, versez du vinaigre blanc dans un bol puis disposez-le dans une ou plusieurs pièces. Bien sûr, faites-le si cela vous indispose car après tout, l'odeur finira par disparaître par aération. Si d'autre part, vos mains sentent fort les senteurs des aliments manipulés, appliquez du jus de citron sur vos mains pour éliminer l'odeur. Le citron est d'ailleurs assez souvent combiné au sel pour éliminer les mauvaises odeurs de la cuisine et de la maison. 3. Le tabac. L'odeur de tabac froid s'incruste très facilement dans certains matériaux. S'il s'agit de vos textiles, placez-les à côté d'une source de chaleur pendant la nuit pour éliminer les mauvaises odeurs. S'il est question d'odeur de tabac après une soirée entre amis, armez-vous de bicarbonate de soude et répandez-en sur la moquette, le tapis ou tout autre objet susceptible de garder l'odeur de tabac. Quelques minutes plus tard, faites un coup d'aspirateur et le tour est joué. Votre machine à laver n'est pas en reste des choses qui peuvent dégager une odeur nauséabonde. Dans ce cas-ci, le bicarbonate de sodium fait encore une fois partie des meilleures solutions pour désodoriser. 4. Les contenants alimentaires. Vos contenants alimentaires peuvent parfois renfermer des odeurs désagréables. En prenant cela en compte, versez du vinaigre blanc dans le contenant odorant en ajoutant également un peu d'eau chaude. Les odeurs disparaîtront le temps d'une nuit et il ne vous restera plus qu'à rincer le récipient. 5. La buanderie. Pour neutraliser les mauvaises odeurs émanant de la buanderie, cela revient à estimer qu'elles peuvent provenir par exemple du panier à linge ou d'une litière pour chat. En ce qui concerne le panier, saupoudrez-le de bicarbonate de soude. Pour la litière, ajoutez-y une dosette de talc pour bébé à chaque fois que vous la changez. 6. L'évier. Pour votre évier, il peut tout simplement suffire de verser du marc de café usagé s'il dégage une odeur désagréable. Pour que le produit pénètre bien dans la canalisation, versez de l'eau bouillante pour faire disparaître l'émanation d'odeur. Avec ces astuces, dites adieu aux mauvaises odeurs dans votre maison et laissez place aux senteurs fraîches et agréables.